Bonjour à tous et à toutes. Et si je suis là avec vous aujourd'hui, c'est parce que justement, il y a une petite modification par rapport à la méditation qui avait lieu pendant un mois pour la planète Terre. Je voulais vous remercier de la part des êtres des étoiles déjà, et puis des êtres d'autres mondes, parce que tout ce que vous avez pu faire pendant tout ce mois, comme méditation, comme envoi de lumière, ça a aidé considérablement, même si on a l'impression que rien ne s'est passé. Même moi, j'ai l'impression que rien ne s'est passé. Parce qu'il y a des moments où on a l'impression d'être complètement dans un bourbier et que c'est très compliqué. Alors, ils m'ont demandé de modifier aussi cette méditation par une autre que je connais et que je pratique régulièrement. Mais cette fois, vous n'avez pas la pratiquer à une heure fixe. Vous la pratiquez quand vous voulez, comme vous voulez, autant de fois que vous voulez. Évidemment, l'idéal, c'est au moins une fois par jour. Alors, je vais vous la donner, et puis pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je vais vous dire comment la faire. Alors, je redis bonjour à tous et à toutes pour la suite de cet enregistrement. Et ce que je voulais dire, c'est que notre travail, donc, en tout cas à tous ceux qui écoutent cette vidéo, c'est vraiment de faire un envoi de lumière à la planète, à ses habitants, à tous ses habitants. Et c'est là où je vais en venir à la méditation proposée ou à l'envoi de lumière proposé, vous l'appelez comme vous voulez. Donc je redis, vous le faites quand vous voulez, c'est-à-dire à n'importe quelle heure de la journée, de la nuit si vous voulez, de façon à ce que petit à petit, en continu, il y ait cette méditation qui envahisse, dans le bon sens bien sûr, mais qui envahisse notre globe terrestre et ses habitants. Et c'est d'abord, donc vous allez d'abord évidemment, prendre quelques instants de centrage où que vous soyez, et vous pouvez la faire où que vous soyez parce qu'elle est courte. Et vous allez sentir une lumière qui vous inonde et qui passe par votre septième chakra, donc par le haut du crâne, par le sommet du crâne, qui va arriver jusqu'à votre cœur, jusqu'au milieu de votre poitrine, au chakra du cœur. Et là, vous allez laisser la lumière partir vers la planète Terre. Et vous allez penser à ce que cette lumière, vous allez envoyer, continuer à envoyer dans un flot continu, toujours en visualisant donc cette lumière qui passe à travers votre septième chakra, qui arrive à votre cœur et qui inonde la planète. Vous allez continuer à envoyer cette lumière vers tous les règnes, c'est-à-dire d'abord vers le règne humain, ensuite vers le règne animal, et puis vers le règne végétal, vers le règne minéral. Donc tous les règnes, de façon à ce que tous les règnes soient englobés. Et puis, vous allez juste continuer en envoyant cette lumière à non seulement tous les règnes, mais aussi dans toutes les directions. C'est-à-dire que vous allez envoyer cette lumière au nord, à tous les êtres de la Terre, des mondes visibles et des mondes invisibles, qui sont au nord. Ensuite, vous allez vous tourner intérieurement vers le sud et vous allez envoyer la lumière à tous les êtres qui se trouvent au sud, des mondes visibles ou invisibles. Et ensuite, vous allez envoyer cette lumière également à l'est et puis à l'ouest. Et à la fin, vous enverrez aussi de la lumière au zénith, c'est-à-dire vers le haut, dans tous les mondes visibles, à tous les êtres des mondes visibles et invisibles, et ensuite au nadir, vers le bas, vers le centre de la Terre, vers la Terre creuse aussi, et vers tous les êtres des mondes visibles et invisibles, de façon à ce que tous ces êtres-là puissent recevoir la lumière, peu importe que ce soit des êtres que vous considériez comme négatifs, comme positifs, que vous aimez ou que vous n'aimez pas, vous envoyez cette lumière sans discriminer quoi que ce soit. Sans discrimination, sans regret, sans rejet, vous envoyez simplement de la lumière. Vous êtes juste des porteurs de lumière. Et en quelques minutes, vous allez voir que le monde peut changer. Et en tout cas dans les mondes invisibles d'abord. Et petit à petit, ça va arriver jusqu'à notre monde physique. Donc c'est ce qui nous est demandé, c'est ce qui m'a été demandé en tout cas pour tout ce mois-là. Donc du 10 au 10 du mois prochain. Et ensuite, nous verrons ensemble ce qui va se passer ou ce qui va nous être demandé ou pas. Voilà. En tout cas, je vous remercie tous et toutes pour la belle collaboration que vous apportez à la planète, à ses habitants et forcément à vous-même.